moi, je pense que quand on est artiste en public, nous devons prendre une position. Et moi, j'ai pris position. Ma position, c'est le côté du peuple. C'est du côté de ces personnes opprimées. C'est des côtés qui n'ont pas de défense. C'est du côté de ces personnes qui pensent que nous sommes leur défense parce que nous sommes les voix des sans-voix. C'est pourquoi nous sommes artistes et nous sommes personnalités publiques. Nous avons la chance. Ils pensent que si eux, ils ne peuvent pas parler et être écoutés, et que si nous, les artistes, nous parlions, eux, qu'on peut nous écouter, c'est pourquoi nous devons parler au nom de ces personnes. Quand il se passe des exactions, que ce soit sur l'axe, à Zérékoré, à Kankan, à Sigiri, à Boké, partout en Guinée, sur le territoire guinéen, même au-delà, l'artiste dans son statut d'artiste et d'homme public doit prendre la parole et dire à l'État, la personne qui est en train d'opprimer les gens, d'arrêter. Les personnes qui sont opprimées sont tes personnes, sont tes fans, sont les personnes qui t'aiment, sont les personnes qui peuvent t'étiqueter, sont les personnes qui t'accompagnent dans tes activités. Voilà pourquoi un artiste, c'est quelqu'un qui prend position. Quand quelqu'un me dit qu'un artiste ne doit pas parler politique, dites-lui qu'il ment. Tous les artistes doivent parler politique. Alpha Condé est un artiste. Le professeur Alpha Condé est un artiste. Aujourd'hui, il est président de la République. Coluche, il est éminent comédien français. Il est venu en deuxième tour en 82 avec François Mitterrand. Il est artiste. Le président de l'Ukraine, il est artiste. Les États-Unis, ils ont eu des présidents artistes. Et tant d'autres. Donc, le professeur Arsengol est artiste. Donc, quand quelqu'un dit que l'artiste ne peut pas parler politique, dites-lui qu'il ment. Ça, c'est l'autre cas. Et deuxième cas, aujourd'hui, les artistes doivent parler politique parce qu'on ne doit pas décider derrière nous. Aujourd'hui, les artistes doivent oser aller à l'Assemblée pour décider de la chose culturelle, des projets de loi. Et c'est important. Un artiste a la possibilité de diriger un département de la culture et au-delà de la culture. Parce que j'en connais des artistes aujourd'hui qui ont fait droit. Ouri Diallo, l'aveugle, qui a fait Ouri Diallo Kaboum, l'équipe de Boum. Il est diplômé. Le Musical Friends. Il est diplômé en droit, par exemple. Vous comprenez? Donc c'est un cadre. Il y en a plein. Batman, il est diplômé en grand. Oui, Lama Sidibé peut être gouverneur de Mamou, il peut être gouverneur de Zérékoré. C'est un cadre. Et c'est ainsi de suite que comme celle de la forêt là, Seni Malomou, qui est, je pense, qui est douanière, elle peut être chef d'état-major, elle peut être directeur national de la douane. Donc, elle est artiste, elle doit avoir des portes de décision où elle peut, au-delà de sa capacité culturelle de drainer un public, aussi cette capacité de la tête de pouvoir oser et parler état, parler décisionnel. Donc, il ne faut pas qu'on prive les artistes de parler politique. C'est que ça, c'est un faux débat. Les artistes, mais là, le problème, c'est qu'on dit aux mélomanes, aux fans, n'allez plus à ces concerts puisque ces artistes ne sont pas engagés. On est en deuil et ils sont là en train de chanter et danser. Ça, c'est le boycott. Je tiens à féliciter le team boycott. Team boycott. Team boycott, comme on aime le dire. Mais moi, je pense qu'il y a une chose aussi qu'ils n'ont pas compris. Où tout ce qui est trop devient mauvais. Je risque avec cette team boycott qu'il part dans le ridicule. Et quand quelque chose part dans le ridicule, on ne prend plus de, ça prend plus de sens. Qu'est-ce que je veux dire? Il est bon de boycotter quand il s'agit de boycotter. Ce n'est pas que les artistes. Ça, il faut oser le dire. Je vais le dire sur Lynx FM aujourd'hui. S'il s'agit de boycotter, nous devons nous auto-boycotter tous. Ah, les artistes? Non, pas les artistes. Tous les Guinéens. Pourquoi? Comment? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, je vous parlais de Ouandara tout de suite. Moi, mon oncle a été pris hier. À 14h, il est rentré à la maison. On l'a pris à 10h. Comment est-ce que j'ai envie d'expliquer? Ouandara, la semaine passée, a été assiégé. Mais ça n'a pas empêché les gens à ouvrir Madina. Donc, on doit boycotter Madina. Oui ou non? Deuxièmement, aujourd'hui, il y a eu des gens, quand l'opposition sur lesquels où il y a l'esprit de... Ils prennent des taxis moto, ils partent à Madina, ils ouvrent leur boutique. Pourtant, là-bas, c'est leur manger. Et il y a des gens qui préfèrent rouler peut-être sur la littorale ou sur l'autoroute. C'est des taximans aussi qu'on doit boycotter. On ne doit pas monter dans un taxi. On ne doit pas monter sur les taxis-motos. Parce que pendant qu'il y a manifestation, les taxis-motos aussi fonctionnent. Donc, ils ne peuvent pas se permettre, nous, dans notre métier, dire qu'on va nous boycotter. Nous aussi, on mange de ça. On a des familles, on vit de ça. Ça, moi, j'assume ce que je dis. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'on le fasse. Tu as vu? Mais qu'on le fasse de façon équilibrée. Là où... C'est que là où tu as frappé l'autre, tu le frappes. C'est que pourquoi on a pourquoi aujourd'hui on est contre l'État? On parle contre l'État. C'est parce que l'État fait un deux poids deux mesures. Si la team boycott aussi est en train de faire deux poids deux mesures, gros point d'interrogation. Ça, c'est la meilleure façon de réussir, c'est de rester dans son silence et d'agir.
c'est pas de brandir ça comme trophée de guerre, ça c'est autre chose. Mais pour moi, le concert de Diamond n'est pas un concert boycotté. C'est deux choses. Diamond n'est pas venu au bon moment. Aujourd'hui, tu ne peux pas amener Diamond pour l'esplanade du Palais du Peuple à un moment où déjà les gens sont stressés, les gens n'ont pas d'argent, les gens sortent d'une élection. Donc on peut se faire des choses ici, vous comprenez? Mais avec Vert, Dixie, Matam, etc., ils viennent, ils discutent avec les gens. Non, arrêtez, arrêtez. Mais sur l'axe, ils tirent sur les gens, ils font des exactions, ils rentrent dans les familles, ils tapent les gens. Donc ça, moi je prends position contre ça et je dis stop au niveau des forces, je dis stop à l'État. Donc le team record doit faire la différence. Si on doit boycotter, par exemple, moi je dis, moi je mange du riz. Oui ou non? Aujourd'hui, les vendeurs du riz là, le riz sort du port autonome du Conakry. Qui gère le port? C'est le professeur Alpha Condé, c'est le gouvernement. Donc c'est pas parce que on peut dire, bon, comme on est fâché contre la gouvernance actuelle, on ne mange pas du riz. Il y a un voyage, quoi. Le connaît coûte cher. Non, oui, mais quoi. Allons-y. Il faudrait qu'il y ait encore beaucoup de connus. C'est l'une des raisons. Donc, aujourd'hui, il y a des artistes qui n'ont pas soutenu. Ça, je suis entièrement d'accord avec la team boycott. Aujourd'hui, les artistes doivent. Et les artistes culturels sont libres de soutenir, oui, non, pas non, soutenir une cause, oui, aussi. Non, écoutez, c'est ça. Ils sont libres. Mais tu ne peux pas forcer une artiste à soutenir une cause. Dans toute liberté, il y a des limites. Les personnes qui sont en train de subir, là, c'est ces personnes-là qui payent ton ticket. Aujourd'hui, le conseil de Diamond a prouvé à suffisance que c'est le ratoma à plus forte raison, l'axe. Bambeto Amdalaï, Koza, Wanera, Cimenterie, qui viennent au splanade du Palais du Peuple. Donc un conseil aussi à la team boycott, si il y a des concerts qu'on ne peut pas boycotter, parce que des concerts privés, aujourd'hui le 31 décembre, il y a plusieurs concerts, on peut, parce que si tu veux boycotter, c'est que c'est pour ne pas que, pour que l'organisateur perde l'argent. Mais si lui déjà il a sa stratégie de vente, pendant le week-end là, il y a eu des concerts qu'on a pensé boycotter qui ont réussi. Et c'est, il faut se dire la vérité, parce que moi je ne suis pas dans les deux poids deux mesures. Mais des concerts qui peuvent drainer la jeunesse de l'axe, qui ne sont pas soutenus par les artistes, ça on peut le boycotter. Des concerts qui se tiennent dans des salles où ils ont besoin de jeunes, ils ont besoin de mobilisation, ils ont besoin. Parce que là, Diamond a perdu en image. Pour la deuxième fois, tu viens dans un pays, tu n'arrives pas à jouer, tu perds en image. Tu viens, même ton, peut-être ton reliquat du cachet, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas honoré les trois autres spectacles. Vous comprenez? Ça, c'est tu es dans un. Tu es fourré dans un problème, tu es obligé de quitter pour ne pas que ça dégénère. Vous comprenez? Ça, il faut le dire. Donc, aux artistes. Pourquoi je demanderais aux artistes et aux promoteurs culturels de demander pardon à cette jeunesse guinéenne à la part entière? Parce que quand je dis la jeunesse guinéenne, il y a eu des exactions à Cancan, il y a eu des exactions à Mamou, il y a eu des exactions à Zérékoré. Donc nous, notre rôle, c'est de dire ça, parce qu'aujourd'hui, que ce soit X ou Y, un artiste, tu écoutes, tu as un fan dedans. Donc lui, peut-être, il y a un ministre qui t'aime, qui te regarde, qui t'écoute, il va dire non, ils peuvent le soulever en conseil des ministres. Ça ne se doit pas. Moi, je le dis et je le dis à qui veut l'entendre. Je suis opposé à toutes les exactions qui se font en Guinée, de Koundara jusqu'à Youmou, de Kaloum jusqu'à Sigiri. Vous comprenez? Il faut que ça s'arrête. Donc, aux artistes et aux opérateurs culturels de demander excuse à la population. Ça, guinéenne. Vous l'avez dit. Maintenant, on va dire. Maman, avec nous, ouais. Dans allons-y un peu dans l'organisation du spectacle. Vous, habituellement, vous organisez un spectacle à la baie. Un spectacle. Le festival des arts du rire de l'âme. Il n'a pas lieu cette fois-ci. Qu'est-ce qui justifie ce record? Aujourd'hui, vous savez, le monde est à l'arrêt. Avec le Covid, le monde marche. Hein? Le monde est à l'arrêt. On a connu. le festival, la période du festival, c'est avril. Avril, aucun avion ne bouge. Tout ce qui est pays était fermé, ici et ailleurs, vous comprenez? Avril passé, le Festival des Arts et du Rire devrait recevoir 5 pays. Et nous avons le Sénégal avec Bocamédion, nous avons le Mali avec ATT qui est un ami, nous avons la Côte d'Ivoire avec le Magnifique, qui déjà, la vidéo a déjà été partagée sur Internet, et Malam Adamo. Nous avons aussi le Burkina Siriki Souké, qui devrait, parce qu'ils n'ont pas honoré en 2019, ils voulaient se racheter cette année, ils ont dit qu'ils ne veulent pas le cacher, ils voudraient venir honorer les images de la population de la baie, comme l'a fait Gogo, comme l'a fait Deng. Il y a aussi GA Mondial qui était censé venir du Bénin, vous avez vu? Maintenant, à côté de ça, la ville invitée, c'était Kindia. C'était l'Altesse, le grand, l'éminent Moussa Koffoué, qui était invité pour le festival, qui allait couronner tout ça, parce que pour nous, Moussa Koffoué, c'est un cadre, c'est un éminent comédien, je le dis souvent. Je le donne un exemple. Aujourd'hui, tu ne peux pas inviter marraine de toute la série de Maîtresse de la Mariée.
ici et que tu marches sur nos sarcophages et que nous on l'accepte. Et que tu marches sur les plus petits. Par exemple, les Safiatou, ils ont réussi à faire, Lagui Plus a réussi à faire un film, Safiatou, c'est une série. Donc les mettre en valeur, c'est de les mettre à l'affiche à côté de ces dames, à côté de ces personnes aujourd'hui qui ont de la visibilité. Ça permettrait à Moussa Kofoué, à Safiatou ou à Kabakoudou de discuter avec ces gens-là, voire dans des éventuels castings pour que ces gens-là puissent aller jouer dans la maîtresse de nos mariés. C'est important, mais les organisateurs ont manqué de feeling. Dans la faisabilité des choses. J'aurais bien aimé qu'il y ait Moussa Kofoué dans cette affiche à côté de ces Sénégalais, de ses amis Sénégalais. J'aurais aimé voir les artistes qui ont fait Safiatou, vous comprenez, avoir Kabakoudou qui fait des beaux trucs que moi j'admire personnellement. Vous avez vu, ça pouvait donner aussi du poids à quelque chose, à cet événement. Donner aussi, parce que tu ne peux pas aller à Kindia et marcher sur les autres. Tu invites Marraine et toute son équipe qui viennent avec un billet d'avion, qui sont là, et tu pars à Kindia. Tu laisses Kabakoudou, il est de Kindia. Tu laisses quand Moussa Kofoué, il est de Kindia, tu ne communiques pas sur lui. Et tu as envie qu'il honore, que tu l'invites qu'il vienne. Tu n'as pas de respect pour l'artiste qu'il incarne. Moussa Kofoué fait partie des artistes guinéens qui sont plus connus à l'international. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Vous comprenez? Aujourd'hui, Moussa Kofoué a plus d'influence, peut-être que ces personnes, mais comme nous avons le complexe du Guinéen, nous avons le complexe du Guinéen, si le Moussa Kofoué a plus d'audience que l'équipe qui a fait et qui a fait le truc, qui a fait la série maîtresse d'une mariée, mais d'un marié plutôt. Pourquoi? Parce que moi je me dis que c'est parce qu'on piétine, on dit en poulard, toi tu es au dan, qu'on y donne.